Cher Cancer, voici votre guidance. C'est parti. Hop. Donc sur la première ligne, nous avons ici la carte du passé avec l'oracle des nombres, la carte de la trahison, du marginal et de la régénération. Ok, intéressant. Alors. Par quoi je commence Par l'énergie principale qui est euh, celle-ci, donc euh, euh, l'énergie du passé, alors c'est une carte qui nous qui va nous indiquer euh, qu'il faudrait peut-être, <laughs> si vous le souhaitez, euh, arrêter de porter en fait votre attention sur le passé. Alors est ce que vous vivez beaucoup dans le passé? Euh, alors d'une manière générale, les cancers, c'est un peu le cas. Euh, en tout cas, ce que nous dit cette carte, c'est que euh, ça ne facilite pas votre épanouissement et ça ne permet pas au ça ne vous permet pas d'avancer. Ça ne ça ne, vous... ça ne permet pas aux, aux situations de votre existence d'évoluer, euh, en tout cas, aussi vite que ce qu'elles pourraient le faire. Donc, est-ce qu'il y a certaines scènes de votre passé Alors, euh... ici, on a la carte de la trahison. Euh, ce qui peut être de la manipulation, du vol, des mensonges, euh, voilà, entre autres, enfin, ou un sentiment de trahison, euh, peut-être un adultère, euh, peut-être euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une situation de votre, de votre passé qui, que vous avez tendance peut-être à, à, à ruminer, à ressasser euh, Est-ce que vous le faites fréquemment? Est-ce que vous pensez à une personne du passé? Cette carte du passé-là, elle nous dit que, euh, en fait, le plus important, c'est le présent, et que le présent, en fait, c'est euh, la plus grande des richesses que l'on ait, puisque euh, elle détermine le futur. Le passé, on ne peut plus rien faire. Le passé est passé, euh, voilà, on ne change pas le passé. Euh, et, et la seule réalité, elle est un peu ici, elle, elle est un peu ici maintenant. Donc l'idée ici, c'est d'accepter le passé pour ce qu'il est et de se concentrer sur le présent parce que c'est ce qui va vous donner du pouvoir, c'est ce qui va vous donner de la, de la, de la force, de l'énergie pour devenir la personne que vous souhaitez, en tout cas pour sortir d'une situation. Ici, on est euh, sur le fait avec la carte du marginal euh, euh, sur l'affirmation de soi, sur euh, sur l'indépendance, la liberté, euh, d'une certaine manière un peu de, de, de se rebeller ou de ou de sortir de de, de peut-être d'une de, de, forme de contrainte. En tout cas, ici, on retrouve sa liberté avec la carte de la génération, de la régénération. Pardon, ici, on est sur le renouveau, on est sur la reconstruction, mais on est aussi surtout sur la guérison, euh, sur le regain de sentiments. Donc ici, il y, y a une situation du passé. Peut-être que vous ruminez, peut-être qu'il vous travaille. Ah, on a une de, de la visite. <laughs> Bonjour Malulu. <laughs> J'ai malili qui vient de s'installer sur le jeu. Tu as un truc à dire euh, donc, euh, donc, en fait, il y a peut-être ici des situations euh, du passé euh, que vous êtes en train de ruminer, peut-être des trahisons, des choses euh, compliquées, alors qui, qui viennent de vous directement ou que vous avez subi euh, et qui vous travaillent. <rire> voilà. <laughs> euh... bah, eh oh. Bouche. <laughs> Ma beauté, allez, 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 viens. <laughs> Désolée pour cette interruption. Euh, elle voulait son petit quart d'heure de, <laughs> de gloire. Euh, bon donc là, euh, pour revenir à la situation, ici il y a quand même une, une, une possibilité en fait de guérison, de reprendre le pouvoir, de reprendre son indépendance parce que finalement tout ça vous enchaîne dans le présent et ne vous permet pas d'avancer dans le futur. En tout cas, ça vous ralentit. Donc voilà pour cette première ligne. Ensuite, donc ici nous avons la carte de l'artiste, la carte de l'échec. Euh du triomphe, très intéressant, et de l'abondance. Wow! Alors, ici on a l'échec et, la, et, la, et le triomphe qui nous parle en fait de, de réussite euh, dans la même ligne avec la carte de l'abondance. Euh, wow! Alors. Je vais commencer par l'énergie générale, qui est en fait la, la, la carte de l'artiste, la carte 30 qui euh, nous dit en fait qu'il faut se laisser porter par son inspiration, euh, qu'il faut exprimer ses talents, ses dons particuliers, euh, peu importe euh, la forme qu'ils prennent. Euh, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. La carte de l'échec, c'est une carte qui, euh, elle, va euh, nous parle en fait de situation bloquée, avec un sentiment d'impuissance, euh, l'impression qu'en fait on n'a pas réalisé nos objectifs ou qu'on a eu une expérience malheureuse ou que, que euh, voyez, on a l'impression d'être face à un mur, dans une voie sans issue. Ici, cette carte de l'artiste, alors je remaudis directement, hein, pardon, mais euh, c'est une carte qui nous dit que vous pouvez décider maintenant de commencer à exprimer euh, ces talents, ces dons particuliers que vous avez, parce que c'est ce qui va vous permettre le triomphe et donc l'abondance. Donc, il y a peut-être des, des dons et des talents particuliers que vous avez, euh, dont vous êtes conscient ou pas. En tout cas, ce sont des, 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 des ressources intérieures. Euh, que vous n'exploitez pas, ou alors que vous n'osez pas exploiter. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que euh, euh, vous focalisez dessus, euh, commencez à y passer du temps. Ça va vraiment vous permettre de vous de vous épanouir. Ça va vous réjouir vous, mais ça va aussi réjouir les personnes autour de vous. C'est-à-dire que ce que vous allez faire va résonner. Donc si vous avez l'impression ici que vous êtes dans une situation bloquée, alors c'est vrai que la situation euh, d'une manière générale pour les artistes euh, voilà on a un peu un sentiment effectivement de voix sans issue. Hein. Euh, mais ça, c est, c est, en fait ce n'est pas terminé. Il y a une forme de créativité ou de dons particulier que vous pouvez développer, mettre en avant euh, et qui va vous emmener ça, qui va vous emmener en fait ce triomphe qui emmène euh, lui-même l'abondance. Et l'abondance, euh, je vais commencer par le triomphe. Euh, ici, on, on parle de victoire, on parle de célébrité, de renommée, de gloire, de promotion. Euh, en tout cas, on parle avec la carte du triomphe de la fin d'une épreuve. Parce que vous avez développé, n'oubliez pas, parce que vous avez développé euh, euh, vos dons particuliers, vos capacités particulières. Hein. Donc ici, on sort d'une situation. Ah, deuxième passage. Ma bah, Lulu, est en pleine devant la caméra. Ma beauté vient ici. Hop, voilà. Reste là ma pucette. Voilà, voilà. Restez là ma pucette. Euh, alors où est-ce que j'en étais? Oui, la carte de l'abondance, je vous disais, en fait, elle parle de richesse, elle parle de confort, euh, de bien-être, euh, elle, elle va nous parler en fait de récolter euh, ce qu'on a semé, ce qu'on a investi. En tout cas, ici, on a un sentiment d'être vraiment euh, euh, dans la sérénité, d'être comblé, de, euh, de se sentir chanceux. Voilà. Mais il y a des premières actions à mener qui sont en fait euh, l'idée de, de, de développer. Malulu, arrête, <laughs> de développer euh, vos, vos, vos capacités. Allez, pardon. Merci. Alors, on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Alors ici, pardon, tu me fais de la place. <laughs> euh, euh. Il à la carte de, de l'ouverture, euh, la carte euh, du message euh, de, du succès et de la technique. Je ne sais plus dans quel sens étaient les deux. Euh, la logique voudrait que ce soit dans l'autre sens, mais il y a des poils de chat du coup. <laughs> euh, alors, c'est un tirage un peu particulier, hein, on n'est pas tout seul. Hein. Euh, donc alors je vais commencer avec cette carte de l'ouverture. Alors c'est il y a beaucoup de trois, hein. euh, le 3 c'est la communication et, euh, et c'est justement la communication, c'est le côté euh, très créatif. Et, euh, et là on, on nous dit euh, que c'est le moment de vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur, de développer votre créativité euh, et de mettre à profit toutes vos nouvelles idées euh, que vous avez euh, développées ici. Voilà, pardon, ici. Euh, c'est vraiment des ondes qui sont très, très positives. Hein, je vous dis, on a beaucoup de, on a beaucoup de trois. Et euh, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on nous disait déjà là, dans la ligne précédente, ce qu'on nous, re, qu nous redit ici au cas où on n'aurait on pas intégré l'information. Euh, c'est qu'il y a vraiment des ondes positives euh, et qu'il faut laisser à venir à vous toutes les nouvelles idées. Osez exprimer tout ce que vous avez au fond de vous depuis longtemps parce que ça va être bien accueilli par les autres. Euh, parce que la vibration du 3, c'est une vibration qui facilite l'élaboration des projets, euh, qui facilite leur, leur réalisation concrète. Euh, mais pour ça, il faut croire en vous. Et, et donner le meilleur de vous-même pour avancer dans votre vie. Alors, est-ce que justement, à, à travers cette communication, le fait d'aller commencer à, à, à créer, à parler, à communiquer, euh euh, ici, avec la carte du message, on a des nouvelles. Euh, peu importe la manière, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, etc. Alors, soit c'est vous qui faites une démarche. En tout cas, elle sera couronnée de succès. Si vous attendez, euh, si vous attendez une réponse, euh, voilà. Ici, on est euh, avec la technique sur sur l'innovation, sur quelque chose de de nouveau. Sur alors, on peut être sur, aussi sur les nouvelles technologies, mais il y a une idée. De progrès, d'innovation, de recherche, de perfectionnement, vous voyez. Euh, après, c'est l'informatique. Alors, est-ce que c'est un message que vous recevez par mail euh, Est-ce que c'est un SMS Est-ce que le fax, je crois que ce n'est plus en fonction <laughs> euh, Mais voilà. Mais ici, en fait, c'est cette communication, cette ouverture, le fait de, de, de parler de ce que vous faites, de ce que vous aimez, euh, qui, va, euh, qui va vous permettre de progresser. Waouh C'est génial, hein c'est génial, c'est génial. Alors, ah. <laughs> la volonté. Très bien, très bien. Donc, en fait, cette carte de la volonté, elle nous dit, soyez volontaires, euh, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, cette carte, elle, elle est hyper, 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 hyper puissante. C'est une carte qui nous dit que... Euh, alors, c'est très intéressant par rapport à la première ligne, parce que la première ligne, elle, elle nous parlait du passé, des trahisons, etc. Euh, et là, en fait, c'est une carte qui nous dit qu'il faut arrêter, en fait, de penser euh, euh, aux échecs du passé, euh, à vos manques, euh, peut-être à la personne que vous étiez à un moment donné, euh, parce que parfois on peut se sentir coincé dans une image. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de créativité, il y avait avec une idée de se réinventer. De toute façon, on avait la carte, si je ne dis pas de bêtises, de la régénération, hein, c'est-à-dire de, de, de l'insoumis, du rebelle, de l'indépendance et en même temps de la régénération qui est une nouvelle naissance. Hein. Euh, voilà, on renaît de ses cendres. Et donc là, en fait, peut-être que le passage là sur, sur cette période, euh, c'est peut-être l'image que vous avez de vous-même. Euh, avec peut-être une impression d'être toujours pareil euh, ou, ou d'avoir un regard négatif sur vous-même. Et, euh, et en fait, cette, cette fixation, euh, ça, ça, bloque, ça bloque votre esprit, euh, en tout cas, ça le bloque dans une vision de, de, de vous-même qui... Euh, qui du coup se répète comme un, un ancrage. Et, et du coup, si on dit si on se dit toute la journée je suis mauvais je réussirai jamais, effectivement, en fait, on, on l'ancre et ça va perdurer dans le temps. Donc, c'est très important parce que ce qu'on nous dit là avec cette carte de la volonté, c'est que le vrai changement va passer par une vraie volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment cette idée de renaissance qui est très, très forte. Et cette notion du passé, est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous vous faites payer quelque chose avec cette notion de trahison? Euh, alors même que vous avez peut-être évolué, que vous avez pris conscience euh, d'un certain, certain nombre de choses. Euh, soit vous êtes bloqué parce qu'on vous a trahi, soit c'est vous qui avez, vous euh, voyez, peut-être d'une certaine manière vous vous punissez si c'est vous qui avez manipulé ou trahi, euh, voilà. Euh, mais c'est un peu comme une deuxième chance peu importe que vous soyez bourreau ou victime, c'est une deuxième chance. Euh, et en fait, il y a vraiment une idée de se recentrer sur cette progression intérieure pour vous, pour, pour euh, récupérer toute cette énergie et, et, euh, et la, euh, la, la faire tourner en votre faveur. Parce que c'est dans le présent que vous construisez votre avenir. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec cette carte du passé. Euh, ben là, en fait, on est en boucle. Hein. Je crois que les messages, là, en fait, ils sont répétitifs au cas où. <laughs> euh, voilà. Donc, chaque fois que vous vous sentez retourner dans le passé, à ruminer des choses, ou s'il y a de la colère, euh, alors, je ne sais pas, faites-vous aider. Euh, ou peut-être apprenez à. À, à à revenir dans le moment présent quand votre quand vous voyez que votre esprit est en train de de, de, de retourner dans le passé ou de ressasser des choses euh, encouragez vous vous même voyez euh, sur votre capacité à avancer sur votre créativité parce que tout ça c'est là ça existe il y a ce vous verrez ce que vous allez en faire euh, mais il y a ce, il y a peut-être qu'une seule personne qui aura besoin d'entendre ce message là mais bon euh, donc acte euh, en tout cas il euh, y a vraiment une possibilité incroyable de sortir euh, de sortir d'une situation et la transformation elle est elle est vraiment intérieure, elle est liée, elle est liée à l'estime de soi, pas tellement à la confiance en soi, j'ai l'impression, mais plutôt à l'estime de soi, euh, euh, qui nous parle en fait euh, la confiance en soi, ça nous parle de, 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 de notre capacité à aller au bout des choses et l'estime de soi, ça nous parle de, euh, de la valeur que l'on s'accorde. Donc, il y a peut-être ça en fait à transcender. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, euh, euh, cette énergie, elle est là, elle est présente. Vous verrez ce que vous, vous avez envie d'en faire, euh, de saisir cette occasion euh, ou pas. Voilà. Cher cancer, euh, je vous embrasse très fort.